Hello YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant des trouvailles en vide-grenier, les toutes premières trouvailles de l'année 2016. Nous y sommes, on n'est pas tout à fait à jour, mais on approche quand même puisque je vais vous présenter des trouvailles que j'ai faites au mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live en vide-grenier, le dimanche 20 mars, tranquillou, en après-midi, voilà, il est 14h, on s'est pas levé ce matin, avec l'entraînement c'était assez compliqué, et je pense d'ailleurs que la saison de vide-grenier qui commence va être assez compliquée, puisque je m'entraîne beaucoup plus que l'année dernière avec les autres années. Et le sport de haut niveau, c'est pas forcément compatible avec le fait de se lever à 5h du matin le dimanche matin. Donc du coup, on fera comme on pourra en cette saison de vide-grenier. Là, on y va tranquillement le dimanche après-midi en balade. Ça fait quand même bien plaisir de pouvoir refaire quelques petits vide-greniers depuis le mois d'octobre que j'en ai pas fait. Donc on verra bien. Tranquillement, à peut-être trouver 2-3 petites choses. C'est parti pour le live. Voilà les vide-greniers en journée quand il fait pas nuit. On a des beaux petits paysages comme ça. Avec le restant des ruines de ce qui pourrait peut-être être un château. Voilà. Avec le Loing, qui est une petite rivière locale de Seine-et-Marne. Voilà. C'est beau, hein, la nature. Les oiseaux qui chantent. Bon, on arrive sur le vide-grenier, là. C'est blindé. Il y a 100 exposants. C'est le seul vide-grenier du coin. Après, sinon, il faut faire 45 km. Donc, en même temps, des combats de mars, hein, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas beaucoup de vide-grenier encore, mais... Mais là, c'est blindé là. Vous verrez pendant le live, mais il y a blindé de monde. J'espère pas vraiment trouver des trucs. Hein. Je pense bien que là, en après-midi, vu le monde en plus, ça va être blindé. Mais après, hein, on ne sait jamais. Donc voilà, on va se balader tranquillement et puis profiter de ce dimanche après. Dédicace à Dark Magikarp. Je l'ai déjà celui-là ma gueule. Et toi aussi je pense. T'aimes bien ça, gris geek, hein. Orange mécanique. Ah monsieur Eddy. Pascal, c'est 10% de la commission. Surtout que ça va, qu'il n'y en a pas beaucoup à collectionner. Hein. Et que les boîtes, elles sont rares à trouver quand même. Ouais. 10 euros. Ah ouais, non, mais je vous la laisse à 10 euros.
Ça fait quoi cette petite caméra? Ça vous dit le... Ah non, absolument pas. Non, non. En fait, j'ai une chaîne sur YouTube. Ouais. Je filme mes aventures en vigrenier. Il y en a qui font des tutos de beauté. Il y en a qui, voilà. D'accord. Et moi, c'est tout ce que je fais en vigrenier. Du coup, je montre un peu mes... aux gens qui me suivent un petit peu ce qu'on trouve, quel tarif. Bonjour. Sur combien vos jeux, s'il vous plaît? Tous les PlayStation là, ils sont à 2€. D'accord. Et je fais un prix, bien sûr. PlayStation 2, c'est un jeu. Non, ils sont pas à toi, ça. Ah non, ça reste pas moi. Vous avez tous son jeu, les miens? Oh, il y a longtemps. Ça fait longtemps. Bon appétit. Merci. On a plus d'arguments. Et je quoi? C'est pour ma chaîne YouTube, en fait. Un petit... Je vais donner genre ça m'a mis un garçon. Tu veux ou pas? Des lumières qui font des petites lumières. C'est combien, s'il vous plaît? C'est 10 euros. C'est combien vos jeux? Et le pack Skylander, vous avez à combien? 8? Et bien voilà, il est un peu moins de 17h, on repart du vide-grenier, voilà, tranquillement, il a fait bon, c'était agréable. J'ai quand même trouvé 2-3 petites choses, hein, finalement, et même un petit peu de jeux vidéo. Donc voilà, hein, je vais vous montrer tout ça dans le compte-rendu, et puis avant ça, je voudrais même vous parler... Encore une fois pour faire rager Rodrigue, regarde ce que j'ai trouvé. Encore un Woody, voilà. Donc celui-ci, je vous le montrerai bientôt, tout de suite dans le compte-rendu. Vous le savez, sur 1, 2, 3 pixels, le retard est une institution, voilà. Donc là, je vais vous présenter des trouvailles que j'avais faites sur un petit vide-grenier, en après-midi, tranquillement. Franchement, pour dire que j'y suis allé l'après-midi, aux alentours de 14h30, 15h, bah, j'ai trouvé de belles choses, et du jeu vidéo, hein, par rapport à l'année dernière où j'étais à Nancy, et où je me levais le matin à 5h pour ramener Peanuts, et bah là, en après-midi, j'ai trouvé des trucs. On va commencer déjà avec un petit peu de jeu PlayStation 2, des jeux que je recherchais, malheureusement, pas en platinum, là, ils sont les deux en platinum. Il s'agit des jeux de la licence Lego,
Donc nous avons le Star Wars le premier et Star Wars 2 de la licence Lego. Les rentrées à moindre frais, puisque j'ai payé ça 50 centimes le jeu, donc 1€ les deux, c'est quand même pas bien cher. Et surtout qu'en plus ce sont des jeux de qualité. Je vous les conseille vraiment si jamais vous ne les avez pas. J'avais fait le 1 moi quand j'avais ma PlayStation 2 à l'époque, et donc là le fait de pouvoir remettre la main dessus, c'était vraiment une bonne petite occasion, surtout pour pas cher. Ces petits jeux là, on a beaucoup bien sûr de références à Star Wars et à son univers. C'est sous couvert de beaucoup d'humour, c'est vraiment bien tourné. À première vue, on pourrait penser que c'est assez enfantin, et en fait, ce sont vraiment des jeux sur lesquels je vous conseille de vous arrêter. Ensuite, sur un autre stand un petit peu plus loin, pour la somme encore une fois de 50 centimes la pièce, deux petits jeux GameCube, ça permet de rentrer de nouveaux jeux dans la collecte. Alors, on a un premier Splinter Cell, celui-ci je l'avais fait sur la PlayStation 2. Alors il y a des gens qui sont pro Splinter Cell, d'autres qui sont plus pro Metal Gear Solid. C'est vrai que moi, j'apprécie vraiment les deux licences. Les Splinter Cell, c'est vraiment une autre approche. On est beaucoup plus dans l'infiltration à mon goût. On joue beaucoup avec l'obscurité, ce genre de choses. C'est vraiment des jeux d'espionnage. Bon, je pense que tout le monde connaît, mais si jamais il y a 2-3 personnes qui ne connaissent pas, eh ben c'est une licence que je vous conseille. Le deuxième, X-Men 2, la revanche de Wolverine. Bon, pas terrible à mon goût. Les jeux X-Men, si ce n'est les X-Men Legends qui étaient sortis sur Xbox et PS2, je crois, peut-être même sur GameCube aussi, je sais plus. Je suis pas super fan des jeux tirés de la licence X-Men. Celui-ci, je l'ai pas vraiment apprécié. Les graphismes, selon moi, étaient déjà pas top à l'époque, mais alors là, on est vraiment dans du ultra dépassé. Bon, je l'ai pris surtout pour la collecte GameCube. Ça me permet de rentrer un petit jeu en plus pour 50 centimes. Et puis, faut quand même avouer que la GameCube, c'est une console qu'on a du mal à croiser maintenant en vide grenier. Vous savez que j'adore la licence des Tortues Ninja. Et ben là, j'ai pu trouver un petit goodies des Tortues Ninja. Voilà, alors c'est une sorte d'aéroglisseur, je crois. Alors bon, je l'ai tout de suite reconnu par le vert typique, voilà, des Tortues Ninja. Je sais pas si c'est complet, je ne pense pas, il doit manquer une petite pièce là-haut. Enfin voilà, un petit aéroglisseur, ça m'a coûté 50 centimes, donc bon, c'est toujours ça de prix. Je regarderai sur internet à plus proprement parler ce que c'est et ce qui manque et quel type de tortue va à l'intérieur. On a ensuite, pour la somme de 1€, un lot de petites figurines. Alors en tout genre, il y a du Pokémon et du Toy Story, et surtout du Toy Story. Avec un premier petit Buzz, voilà, il est tout petit, tout mignon, bon, un petit peu usé, mais en fait j'ai tout pris pour d'autres personnages et j'ai fait un lot avec ça. Ensuite on a un Monsieur Patate, celui-ci, voilà, c'est surtout pour des comme ça que je le prenais, parce que ce Monsieur Patate là, pas évident à trouver les petites figurines Toy Story comme ça. Donc un petit Monsieur Patate, deux figurines du cochon, la petite tirelire de Toy Story dont le nom m'échappe, mais sympa d'avoir encore ces deux petites figurines là. En Toy Story, j'ai surtout des grosses figurines, mais pas beaucoup de toutes petites. Donc du coup, c'est sympa de pouvoir rentrer celles-ci. Et puis enfin, les Martiens qui vont par trois. Là, j'en ai trouvé deux, et j'en avais déjà une à la maison. Donc du coup, bah voilà, ça me fait trois petits Martiens pour aller dans ma petite collection, pour compléter la petite famille Toy Story. Trois petites figurines Finger Puppet de Pokémon, mais ce sont des figurines qui ne sont pas de la première génération, donc je ne les conserverai pas, elles iront à l'échange. On a déjà celle-ci dans un premier temps. Ensuite, celle-ci, qui a une gueule assez atypique, hein, quand même. Et puis, enfin, je crois que c'est Wistikram, celui-ci, un des Pokémon qu'on retrouve en, peut-être même bien en starter, dans noir et blanc, je crois. Mais si c'est pas un des starters, en tout cas, et je sais qu'on le retrouve dans la cartouche, puisque c'est un Pokémon que j'avais dans mon équipe. Et enfin, la dixième figurine de la licence, je crois que c'est Lilo et Stitch que ça s'appelle, voilà. Bon, elle est ultra dégueu, mais c'était vraiment pour compléter le lot. Celle-ci, je verrai, je me tâte si jamais je la garde ou pas, si je la mets avec mes autres Disney, ou si je la mets à l'échange. Et elle est également avec ce lot, un chapeau de cow-boy, que j'ai trouvé tout au fond du carton. Et du coup, je le regarde et je me dis, bon sang, ça, je suis sûr que c'est le chapeau de Woody dans Toy Story, et il s'avère que oui, c'était bien son chapeau. Donc anecdote assez particulière, puisqu'en fait j'ai retrouvé un Woody qui n'avait pas son chapeau sur ce même vide-grenier. Je l'ai retrouvé un peu plus loin dans le vide-grenier, à la toute fin du vide-grenier. La dame en voulait à la base 9€, hein, sans le chapeau, ça fait quand même chéro. Surtout qu'en plus il n'avait pas non plus son foulard ni sa ceinture. J'ai gentiment proposé à la dame de lui prendre pour 4€, en lui expliquant par A plus B que son machin n'était pas complet du tout. Bon, elle me l'a laissé, on est arrivé en fin de journée, elle a bien vu qu'elle n'arrivait pas à le vendre. Alors j'aurais bien aimé vous le montrer, mais malheureusement je ne l'ai plus, hein, c'était un double. Donc j'en ai fait profiter quelqu'un avec un autre Buzz que j'avais trouvé dans une autre brocante avant. Donc du coup j'ai fait un petit lot
sympa pour cette personne. On a ensuite un truc assez atypique pour la somme de 50 centimes, un paquet de cartes comme ceci, et en fait, ce sont, alors il y a des cartes dans tout genre, des machins, des trucs Duel Master comme ça, mais surtout, on a quand même des autocollants Panini de l'époque Batman Forever, et je trouve ça quand même assez marrant. Il y en a quand même un bon petit paquet, ils sont encore fermés, voilà. J'ai plus pris ça pour la déconne qu'autre chose. Ça m'a fait rire de me dire qu'on pouvait encore trouver des stickers Batman Panini. Alors il y en a un ou deux qui sont ouverts. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur ce à quoi ça ressemble. C'était donc des petits stickers comme ceci. Je trouve ça assez funny et assez marrant de se dire que bon, j'en ferai jamais rien. Je leur vendrai pas non plus. Je veux dire, ça n'a ni queue ni tête. Je foutrais ça dans une petite boîte. Voilà, ça m'a juste fait marrer. Il y a 20 ans, il y avait peut-être des gens qui achetaient ces trucs-là en bureau de tabac pour compléter leur magazine, leur catalogue de l'époque. Et là, on les retrouvait dans un carton comme ça, encore fermé. Je trouve ça assez marrant. Et on a encore un autre truc super atypique. Des Pog et un Kini. On appelle ça comme ça, des Kini. Dragon Ball Z, voilà, il est encore fermé. C'est franchement, je trouve ça vraiment... ça me fait vraiment triper, quoi, de me dire que ces machins-là, ils ont bien 20 ans et ils sont encore là, fermés comme ça. Encore dans leur état d'époque, je trouve ça assez drôle. Et puis aussi ce petit truc encore fermé également, avec des petits Pog Choco Pops, avec une petite carte de Donkey Kong derrière. Voilà, bon, ces machins-là, c'est plus pour le petit délire qu'autre chose, ça m'a rien coûté. J'ai trouvé ça marrant, donc je rangerai ça avec d'autres cartes dans une petite boîte à chaussures. C'est aussi pour ça que je fais les vide-greniers, c'est pas forcément que pour ramener des jeux, des figurines et machin, c'est pour beaucoup de nostalgie et retrouver des choses comme ça que moi je pouvais avoir quand j'étais gamin. Ça crée une petite émotion chez moi et j'adore ça. On a un joli lot de comics, voilà, pour la somme de 2 €. On a un Zambla, je sais pas du tout ce que c'est comme comics, ça date à mon avis des années 70. Hein. On a même à l'intérieur des petites cartes postales où il y a écrit des choses, alors c'est assez énorme. Chers amis, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien préparée. J'espère que Alain va faire une bonne rentrée de 6e. Dites bonjour de ma part à vos parents. À bientôt, Carole. Voilà. Et ça date quand même, il y a une petite date, 1970. C'est énorme, franchement, c'est complètement énorme. Et une deuxième, voilà, qui date de 76. Bon, je sais pas du tout la collection des cartes postales, hein, mais je trouve ça quand même vraiment funny, quoi. Encore un petit comics, à mon avis, de la même série, Rodeo. Voilà, il est un petit peu abîmé. On a également un Atemi, voilà, avec des guerriers, je sais pas trop, asiatiques en tout cas. Un petit Batman Pocket, voilà, assez sympa, assez vintage celui-ci. Un Superman, voilà, pareil, de poche. Super Wing, ça je connais absolument pas. Un petit Spidey, ceux-là sont assez connus, on en retrouve assez régulièrement dans les stands de comics chez les professionnels. Un joli Superman, voilà. Et pour terminer, un autre Superman un peu plus grand, celui-ci, Superman, c'est un comics géant, voilà, avec les nouvelles collections Odo qui paraissaient. Ils sont dans des états très corrects, et me dire que j'ai payé ça 2 €, alors que bon, en règle générale, quand on voit des comics comme ça, ils sont en général à 2 € pièce. Voilà, je trouverais bien un preneur, quelqu'un qui serait intéressé par ça, pour faire un petit échange, ou au pire un professionnel du comics qui sera intéressé pour me les reprendre. Sachant que moi j'ai une collection de comics X-Men, je vais souvent me fournir chez le même mec, donc du coup si je lui ramène ça, il aura peut-être 2-3 X-Men que j'ai pas pour ma collègue, donc on pourra faire un petit échange sympa. Un petit peu de jeux vidéo encore une fois, sympa de se dire qu'en après-midi on trouve du jeu vidéo avec 3 jeux. Sur PlayStation 3, tous complets. Dans un premier temps, un petit Lost Planet 2 que voici, assez futuriste. Vous intervenez dans un monde complètement chaotique où faut exterminer l'invasion alien, voilà, avec des monstres qui sont énormissimes. Petit jeu sympa pour la somme de 1 €, c'est franchement un prix cadeau. Un jeu d'une licence ultra connue, donc je m'arrêterai pas très longtemps dessus, le petit Assassin's Creed Revelation, le boîtier noir de la PlayStation 3, hein, bien complet. Assassin's Creed, je pense que tout le monde connaît ça, celui-ci incluant le premier Assassin's Creed, donc ça c'est quand même pas mal. Et enfin, un petit Heavenly Sword, voilà, avec une jaquette qui me rappelle beaucoup le Golden Axe qui est sorti sur 360 et PS3, si je ne dis pas de conneries. Ça fait partie des premiers jeux qui sont sortis sur la console, du moins les premières générations de jeux, donc on va pas
avoir des graphismes, etc., à couper le souffle pour la PlayStation 3, mais c'est un petit beat'em all qui, si jamais vous le trouvez pour pas très cher, vous pourrez quand même avoir une petite expérience sympa dessus. Ça reste quand même du tout petit jeu, donc voilà, ne pas débourser plus de 2-3 euros pour ce genre de choses, trouvable très facilement en vigne-grenier. On passe ensuite à un jeu qui est pour moi la perle de cette journée. Il s'agit de Alan Wake, voilà, sur la 360. Une exclue 360. C'est un jeu que j'ai eu envie d'acheter suite à une vidéo que j'avais vue de Pantoufle, voilà, qu'il avait trouvé, qui en avait tari beaucoup, beaucoup d'éloges. Donc du coup, je me suis un petit peu renseigné sur la chose et il s'avère que, c'est pour moi l'un des seuls jeux que je voulais absolument posséder avec Blue Dragon, par exemple. Un jeu vraiment palpitant sur la 360. C'est vraiment une expérience vidéoludique à couper le souffle, une aventure hors du commun que vous vivrez sur ce jeu-là. Sorte de jeu d'action à la limite du survival horror, avec beaucoup d'énigmes, beaucoup de réflexions, une véritable histoire, et c'est un jeu à vivre vraiment de l'intérieur, donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. Alors, ce qui est assez énorme, c'est qu'il est neuf, et que la personne en demandait 2 euros, donc franchement, j'ai même pas hésité, mais une seule seconde. À la base, c'était 3 euros, je l'ai négocié à 2, il m'a dit oui, boum, embarqué. Et même à 3, de toute façon, je l'aurais pris. On passe ensuite à un lot de figurines achetées pour 2 euros avant de terminer sur le dernier lot de la journée. Donc, 2 petites figurines Astérix et Obélix. Avec Obélix, celle-ci, je la possédais déjà, donc ce sera pour un échange. Panoramix, voilà, celle-ci, bien content de la rentrée parce que je ne la possédais pas. Un gros paquet de figurines Pokémon, à commencer surtout par une que je ne possédais pas dans ma collection de première génération. Il s'agit de Goopix. Voilà, Goopix en finger puppet, bien content de la rentrée, ça m'évitera de la payer plein pot sur internet. Et les autres que j'ai prises, eh ben, ce sont pour faire des échanges, que ce soit avec vous ou avec d'autres collectionneurs de figurines Pokémon. Donc on a celle-ci dans un premier temps, un petit Mewtwo, celle-là sympa, hein, une première génération, ça parle toujours aux gens, les premières générations. Ensuite ce machin-là, je sais pas du tout quel Pokémon c'est et le nom qu'il peut bien avoir. Un petit Culbutoke, sympa le petit Culbutoke que voici. Hérissandre, si je dis pas de conneries, voilà, sympa, un Pokémon de deuxième génération. Celui-là, je vais peut-être le garder, on verra. Celui-là, je l'avais déjà à première génération, le Taignon, voilà, et c'est celui qui m'a donné envie de faire la collection des Finger Puppets, parce que je les trouve vraiment chou, ces figurines. On a ensuite ce Bigule, une sorte de pieuvre, je ne connais pas le nom de ce Pokémon. Très bizarre. On a ensuite un petit Exelang, mais qui n'a plus de langue, voilà, ni son socle. Donc ça partira très certainement à la poubelle, ce truc. Voilà, si quelqu'un le veut, et ben ça sera dans un petit colis en cadeau. Voilà, encore un Pokémon de première génération, Kangourex, mais je l'avais déjà, donc à l'échange. Un petit Psychoquack, celui-ci de la gamme Nintendo, mais je le possédais aussi, donc à l'échange. Flagados, mais pareil, je l'avais également, donc à l'échange. Et enfin, pour terminer, celle-ci, je n'ai aucune idée de son nom, encore une finger puppet. Voilà, tout ça pour 2 euros. C'est approximativement le prix que j'aurais mis pour Goopix tout seul sur Internet. Donc, je dis banco. On termine enfin cette journée de vide-grenier, ou plutôt cet après-midi de vide-grenier. Hein. Dites-vous que j'ai trouvé tout ça sur un seul vide-grenier en après-midi. Comme quoi, faire des trouvailles, c'est pas forcément réservé au matin. Ça va faire plaisir à Gorgul ou encore à Cyril 2.0 que de la PlayStation 1 dans des états somme toute corrects. Pour 5 euros, on a 7 jeux de PlayStation 1, donc c'est parti. On a déjà dans un premier temps des jeux que je recherchais, mais bon, que j'avais mis la main dessus en cash depuis, donc ils vont aller à l'échange. Il s'agit des CT Special Force, donc on a CT Special Force, je crois que c'est le premier, celui-ci, et puis CT Special Force Back to Hell, je crois que c'est le troisième, celui-ci. Ces jeux-là, ce sont en fait des run and gun, un petit peu à l'idée des Metal Slug, très 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 bons. Pour très 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 peu cher, franchement c'est des jeux que je vous conseille, mais sautez dessus, franchement ils ne valent rien, c'est des jeux qui doivent valoir mais peut-être 4 euros, j'ai payé les miens complets en état nickel chrome, les 3 j'ai dû payer ça 15 euros les 3, donc 5 euros pièce, c'est beaucoup moins péchu et beaucoup moins dynamique qu'un Metal Slug, c'est un peu plus lent, mais franchement la durée de vie est bonne, les jeux ne sont pas simples, moi je vous les conseille, franchement allez-y, ça m'a été conseillé par Uri Geek, je me suis chopé les 3 dans la foulée, j'en ai terminé un déjà, je vous conseille vraiment d'aller dessus. Un petit Harry Potter et la chambre des secrets, j'avais le premier opus Harry Potter à l'école des sorciers, je n'avais pas la chambre des secrets, bon je reviendrai pas dessus, hein, un opus que tout le monde connaît je pense. Un petit Largo Winch, voilà, alors celui-ci je ne le connais pas plus que ça, j'ai joué à l'opus PS2, je ne sais pas si l'opus PS1 c'est le même ou pas. On termine par 3G Platinum, je sais c'est pas terrible, mais bon, on trouve
tellement peu de PlayStation 1 sur les figurines maintenant que quand c'est complet en bon état, je prends deux petits Disney avec la planète au trésor, voilà, tiré je pense du film en question, puisque Disney adore faire des adaptations de leurs films en jeu vidéo, donc voilà, je n'ai pas plus d'informations sur celui-ci. En général, les jeux Disney, les adaptations de films sont pas mal. Franchement, c'est en général c'est pas mal. Donc j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à celui-ci. De même que pour le Peter Pan que voici. Voilà, pareil, un jeu que je vois jamais. Ces deux jeux-là, je les vois jamais en vide-grenier, du moins. Hein. On les trouve en cache et encore parce qu'on trouve vraiment de moins en moins de jeux. Ça a l'air de se jouer un petit jeu d'aventure qui a l'air d'être à mi-chemin entre la 2D et la 3D. Explore plus de 20 niveaux très vastes pour rassembler les morceaux de la mystérieuse carte au trésor. Retrouve tous tes personnages préférés comme la fée Clochette et Capitaine Crochet. Oui, donc voilà, on essaie clairement d'aguicher les gamins, mais bon, c'était aussi le but de ces jaquettes, hein. Fallait aussi faire vendre le jeu. Et enfin, pour terminer, un petit Siphon Filter 3. J'avais fait le 2 que j'avais pas mal apprécié, donc bon, pas de raison que je n'apprécie pas ce troisième épisode. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce compte rendu. Comme vous avez pu voir, pas mal de jeux vidéo pour dire que j'y suis allé en après-midi. 15 jeux vidéo avec des bons jeux comme Alan Wake ou encore les CT Force spéciales. On peut trouver des choses l'après-midi, on peut même trouver de la PS1. Cyril, t'as vu un peu? Je pense que je vais le faire un petit peu jalouser parce que j'ai vu dans ses comptes rendus d'avril qu'il avait du mal à trouver de la PS1. J'espère que ça va mieux en mai, mais du moins j'ai pas encore vu les comptes rendus de mai, donc je suis un petit peu à la bourre. Mais voilà, bien content de pouvoir rentrer tout ça dans la collecte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas pour me donner vos impressions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !